Les Aztèques, connus pour leurs sacrifices humains particulièrement sanglants. Mais il y a 5 siècles, une menace encore plus meurtrière a plané sur l'Amérique centrale, exterminant jusqu'à 80% de la population locale. C'était une maladie mystérieuse et inconnue, et elle était horrible. On pense généralement que les Aztèques ont disparu à cause d'un événement historique précis. Les maladies du vieux continent, importées par les envahisseurs espagnols. Aujourd'hui, des recherches scientifiques suggèrent un scénario totalement différent pour cette tragédie humaine. Si cette nouvelle théorie se confirme, le sort qui s'est abattu sur les Aztèques pourrait frapper de nouveau au 21e siècle. De nos jours, Mexico est l'une des plus grandes métropoles de la planète. Elle compte plus de 20 millions d'habitants. Il y a 500 ans, il y avait déjà sur place l'une des plus grandes cités du monde. Tenochtitlan, avec une population de plus de 200 000 personnes, était la capitale d'une société très développée sur le plan technologique. En 1519, les Aztèques maîtrisaient déjà les principes de l'astronomie et des mathématiques, ce qui leur avait permis de mettre au point un calendrier très précis. Ils pratiquaient une médecine très sophistiquée. Et ils avaient bâti un réseau complexe d'aqueducs pour approvisionner leur capitale tentaculaire en eau douce. Nous savons que les Romains ont construit des cités immenses, mais les Aztèques étaient tout aussi avancés. C'étaient des ingénieurs fantastiques. Ils ont fondé une cité sur un lac marécageux. À l'époque, entre 15 et 30 millions de personnes vivaient sous le joug de l'empereur aztèque dans un royaume qui s'étendait de l'Atlantique au Pacifique. C'était l'un des plus grands empires du Nouveau Monde. En 1519, la ville de Tenochtitlan prospérait depuis près de 2 siècles. Mais sa fin était proche. Cortés, le conquistador espagnol, venait d'accoster avec une armée de moins de 1000 hommes sur le site actuel de Veracruz, sur les côtes du golfe du Mexique. Rapidement, il a renversé l'empereur Montezuma en combinant la ruse politique, la force militaire et la chance. Sa victoire a marqué le début du déclin dramatique des Aztèques. Quand les Espagnols ont débarqué sur le sol mexicain, les autochtones étaient au moins 15 millions. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, 80% de la population avait été décimée. Une découverte faite en 2004 a livré de nouveaux indices sur les raisons de la disparition des Aztèques.
Oaxaca, à près de 500 km au sud-est de Mexico. Les archéologues ont mis au jour les corps de quelques 2000 Aztèques enterrés dans une sépulture improvisée. Ils sont vraisemblablement morts dans les années qui ont suivi l'arrivée des conquistadors. Noreen Turos, ostéo-archéologue à l'université de Harvard, mène l'enquête sur cette antique affaire. Elle commence par éliminer une hypothèse évidente. Une attaque militaire par les forces espagnoles. Sur un champ de bataille, il y a toujours des lésions traumatiques associées au combat. On constate alors des marques sur les squelettes. Or là, il n'y en a pas. Elle exclut également la famine comme cause de décès. C'est l'autre hypothèse qui vient à l'esprit. On pense que cette hécatombe est due à la faim. Mais il n'y a aucune preuve dans ce sens. Au contraire, il semblait bien nourri. Les premières constatations sont déroutantes. De nombreuses victimes sont jeunes. Elles semblent en forme, en bonne santé et bien nourries. Et pourtant, quelques 2000 Aztèques ont été inhumés à la hâte dans une fosse commune. Visiblement, les gens pensaient qu'il était capital de les enterrer très rapidement. Pour la chercheuse, une conclusion s'impose. On peut supposer qu'ils sont morts de maladie. Le diagnostic posé par Noreen Turos semble conforter ce que nous disent les livres d'histoire. La thèse officielle est que les conquistadors sont arrivés avec une arme bien plus redoutable que leur mousquet et leur habileté politique. Les maladies du vieux continent. La rougeole, le typhus, la variole étaient courantes en Europe, mais inconnues en Amérique. Le système immunitaire des Aztèques ne pouvait pas combattre ces maladies étrangères. En conséquence de quoi, ils seraient morts par millions. John Marr, spécialiste des maladies, étudie les archives historiques retraçant les épidémies dans le Mexique du XVIe siècle. De nombreux Aztèques ont succombé à des maladies importées, mais ils pensent que beaucoup plus ont été victimes d'un tueur très différent. Son intuition est confirmée par un rapport rédigé par Francisco Hernandez, médecin personnel du roi Philippe II d'Espagne, et basé sur les autopsies des victimes d'une épidémie de 1576. La lecture du rapport d'Hernandez m'a vraiment rempli de joie. Ce document, resté inexploité durant 4 siècles, décrit les constatations des médecins ayant autopsié les victimes aztèques. Chez certains, la gangrène avait envahi les lèvres. D'autres avaient certaines parties du corps putréfiées et du sang qui coulait des oreilles. Hernandez décrit les symptômes, mais ne cite aucune maladie précise. Hernandez était espagnol et il avait sans doute vu des centaines, voire des milliers de cas de variole, de typhus et même de peste quand il vivait en Espagne. Donc, à son arrivée dans le Nouveau Monde, en voyant ses patients, il a su que ce n'était pas l'une de ses maladies. Hernandez n'a donc pas identifié la maladie et pour John Marr, cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Visiblement, ça ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait sur le vieux continent. Les Espagnols qui l'ont observé ne l'ont pas reconnu. C'était une maladie mystérieuse et inconnue, et elle était horrible. Les archives en images laissées par les Aztèques révèlent les symptômes du mal qui a dévasté la population. Ce dessin date sans doute du milieu du XVIe siècle.
On y voit des gens mourant d'une maladie dont les symptômes sont décrits ici. Du sang qui coule des yeux, des oreilles, de la bouche et du nez. Ils en crachent aussi. Les hémorragies sont donc internes et externes. La population locale avait un nom pour désigner cette maladie. Kokolitsli, la grande peste. Le Kokolitsli n'existait pas dans l'Espagne du XVIe siècle. Sinon, les conquistadors auraient reconnu ses symptômes. John Marr pense que c'était une fièvre hémorragique originaire des Amériques. Un virus mortel, caractérisé par des saignements incontrôlables. Nous avons un équivalent moderne, un mal terrifiant qui a ravagé certaines régions d'Afrique. La fièvre Ebola. Cette découverte est inquiétante. On a longtemps pensé que la chute de l'Empire aztèque était due à un funeste concours de circonstances. Le premier contact entre des peuples ayant des maladies et des immunités différentes. De nouveaux indices nous mettent sur une autre piste. Celle d'une épidémie provoquée par un virus endémique particulièrement meurtrier. Les virus peuvent rester en sommeil plusieurs siècles et ressurgir quand les conditions idéales sont réunies. Ce tueur du XVIe siècle pourrait être tapi dans l'ombre quelque part dans le Nouveau Monde et se réveiller. Le médecin Rodolfo Acuna Soto est sur les traces du virus de Kokolitsli. Il passe au peigne fin les documents de l'époque à la recherche d'indices sur cette maladie qui a tué 8 Aztèques sur 10. Les conquistadors espagnols ont laissé des archives détaillées. Ils faisaient des recensements réguliers dans les villes et les villages. Kim Foster, spécialiste de la visualisation 3D, rentre des données dans un logiciel d'information géographique qui montre comment la démographie évolue selon les endroits au fil du temps. Peu à peu, on voit apparaître l'ampleur de la tragédie aztèque. Les résultats sont stupéfiants. Si on observe cette région, on voit comment la population a chuté d'un million à seulement 11 000 personnes. Le logiciel montre plus que le nombre de morts. Il révèle où et quand cet effondrement démographique a eu lieu. Les victimes sont réparties plus ou moins uniformément sur tout le territoire de l'Empire. Pourtant, c'est dans la chronologie du drame qu'on remarque des pics très marqués. Nous pouvons partir de la situation de 1519, quand les Aztèques étaient très nombreux, et voir comment la population décline dans les années qui suivent. En 1545 et les années suivantes, près de 15 millions de gens sont morts. Et 30 ans plus tard, il y a eu une deuxième vague de 2 millions de victimes. Pour Rodolfo Acuna Soto, ces dates marquent le début des deux grandes épidémies de Kokolitsli. Il veut maintenant comprendre la raison de ces flambées. En quoi les décennies 1540 et 1570 se sont-elles distinguées des autres? Le chercheur étudie l'un des codex laissés par les Aztèques. Un exceptionnel récit en images de la vie quotidienne des temps anciens. La 1543 en particulier est très intéressant, avec l'image du soleil brillant au-dessus d'un champ de maïs. Cela signifie que cette année a été très sèche. Rodolfo Acuna Soto isole une série d'images qui pointent du doigt des périodes de mauvaise récolte.
Celle-ci montre le sol jonché de cadavres et la poussière qui vole tout autour, signe d'une grave sécheresse. Sur une autre image, un Aztèque pleure parce qu'il est vendu comme esclave en échange de maïs. Ici, un sacrifice est destiné à stopper la famine. On a des années spécifiques clairement identifiées avec des sécheresses touchant les montagnes mexicaines. Et c'est très étroitement lié avec les flambées épidémiques. La sécheresse peut-elle expliquer la virulence du coccolitzli? David Stahl est un météorologue un peu spécial. Il est dendrochronologiste. Il déchiffre les informations climatiques sur les siècles passés contenues dans les anneaux de croissance des arbres. Ici, l'année 1620 est une date importante dans l'histoire américaine. C'est la fondation de la colonie de Plymouth dans le Massachusetts. Autre date marquante, 1607, avec la création de la colonie de Jamestown en Virginie, la première implantation réussie d'Anglais dans le Nouveau Monde. En grandissant, un tronc d'arbre s'allonge et s'élargit. Chaque année, un nouvel anneau s'ajoute. D'une année sur l'autre, les anneaux ne sont pas identiques. En cas de pluies abondantes, la croissance est plus forte et il est plus large. En revanche, en cas de sécheresse, l'arbre grandit moins et il est plus mince. Les experts peuvent ainsi retracer un portrait fidèle des conditions météorologiques que l'arbre a connues au cours de sa vie. Pour David Stahl, c'est comme lire les bulletins météo dans une pile de vieux journaux. Si nous piochons au milieu de la pile pour sortir l'édition du 6 mars 2008, sur la dernière page, nous avons les prévisions météo pour les États-Unis. David Stahl se rend au Mexique pour enquêter sur les conditions climatiques du territoire aztèque dans les années qui ont précédé les grandes épidémies de 1545 et 1576. Avant l'arrivée des conquistadors, ce parc était au cœur de la capitale impériale, Tenochtitlan. Ces arbres sont une précieuse base de données environnementales sur l'époque. Dans le parc de Chapultepec, dans le centre-ville de Mexico, il y a de magnifiques cyprès de Montezuma. Nous pensons qu'ils ont près de 800 ans. Selon la légende, ils auraient été plantés par les Aztèques à Chapultepec. Le scientifique étudie les anneaux de croissance de cette antique forêt. Il obtiendra ainsi une image nette des conditions météo à l'époque des épidémies. Pour lui, ce qui s'est passé juste avant 1545 est clair et inédit. Ici, nous voyons le début d'une sécheresse grave et prolongée. Nous savons qu'elle a été la plus marquée des 5 derniers siècles. Les anneaux de croissance vont dans le sens de l'analyse du codex par Rodolfo Acuna Soto. Les épidémies ont été précédées par plusieurs années particulièrement sèches. Mais quand David Stahl pousse son investigation plus loin, les choses se précisent et se complique. 1545, la première année de l'épidémie, a un anneau très large. Cela signifie que la sécheresse a été suivie par une année de précipitations exceptionnelles.
Cet événement climatique inhabituel se produit de nouveau juste avant la deuxième épidémie. Au milieu de cette période de sécheresse, il y a un anneau de croissance plus large que la moyenne pour l'année 1576. Ainsi, à chaque épidémie de Coccolizzi, le même scénario climatique s'est répété. Les chasseurs de virus doivent maintenant comprendre en quoi la météo et l'épidémie sont liées. Une récente tragédie de l'autre côté de la frontière pourrait leur apporter des réponses. Mai 1993. La région des Four Corners, carrefour de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado et de l'Utah, a connu une météo comparable à celle qui semble associée aux épidémies aztèques. Une grave sécheresse, suivie de fortes pluies, a eu des conséquences dramatiques pour le Mexique du XVIe siècle. Les États-Unis de cette fin de XXe siècle peuvent-ils subir le même sort? Un jeune homme est conduit dans un hôpital du Nouveau-Mexique pour des difficultés respiratoires. L'équipe médicale fait son possible, en vain. Le patient meurt et sa fiancée aussi. Les autorités recensent 5 décès similaires. Elles redoutent une épidémie. Atlanta, Géorgie. Le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, fait autorité dans le monde entier. C'est la première ligne de défense des États-Unis contre les infections contagieuses non identifiées. Son département agent pathogène est mis sur l'affaire. John Krebs et l'équipe du CDC se lancent sur la piste du coupable pour enrayer l'épidémie. Ils savent que l'ennemi est dangereux et rapide. Sur la première radio, prise le 27 mai, on voit que les poumons sont relativement clairs, malgré quelques infiltrations sur la partie inférieure. Le 30 mai, les poumons sont remplis de liquide. Les experts du CDC identifient la cause du décès. Insuffisance respiratoire aiguë. Des analyses plus précises relient ce problème pulmonaire avec un agent pathogène spécifique, une souche mortelle et jusque-là inconnue, dentavirus. Maintenant, il faut localiser la source de l'infection. En général, les virus de la famille des hantavirus sont propagés par les rongeurs. John Krebs sait qu'il doit trouver quelle espèce est contaminée, et vite. Nous sommes immédiatement allés sur le terrain. Mon expérience et mes connaissances en matière de petits mammifères étaient assez complètes. John Krebs et son équipe capturent près de 1700 rongeurs pour pratiquer des tests de dépistage. Le 14 juin, ils identifient le coupable, la souris sylvestre. Les rongeurs sont éliminés des zones habitées. Il y a eu 52 victimes. Mais l'épidémie a été étouffée dans l'œuf. Pourtant, John Krebs est intrigué.
En comparant avec les chiffres des années précédentes, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de rongeurs en 1993. En fait, dans la région des Four Corners, la population des souris sylvestres a été multipliée par 10 pour cette seule année. Quelle est la cause de cette prolifération exceptionnelle ? Plusieurs années de sécheresse avaient réduit le nombre de rongeurs. Mais 1993 a été caractérisé par de fortes précipitations. Il y avait eu plus de pluie, et donc plus de végétation et plus de nourriture pour les rongeurs. L'explication est simple, plus de nourriture, plus de rongeurs. Par ailleurs, ces rongeurs ne sont pas comme les autres. En cas de sécheresse, les petits mammifères se regroupent autour des rares points d'eau. Seuls les plus résistants survivent aux maladies qui se propagent rapidement quand ils sont trop nombreux. Quand la pluie revient, les rescapés se reproduisent et créent donc une population immense de super rongeurs porteurs de virus. Il semble qu'un enchaînement d'événements similaires se soit produit à l'époque aztèque. Le bilan humain a été bien plus lourd. En 1993, 52 personnes ont été victimes de l'antivirus, mais il n'y a pas eu d'épidémie. On estime que la première flambée de Coccolizli a tué 80% de la population autochtone. Cela a été l'une des pires catastrophes démographiques de l'histoire. Alors, en quoi la situation... était-elle différente au XVIe siècle ? La réponse se trouve peut-être dans le virus lui-même et sa manière subtile et meurtrière de muter. Les virus dominent notre planète. Nous sommes environ 6 milliards, mais il y a sans doute 1000 fois plus de virus. D'une certaine manière, nous vivons dans leur monde. Ces formes de vie très simples ne peuvent pas survivre seules. Elles ont besoin d'un hôte. Ils sont incapables de se reproduire tout seuls. C'est leur gros problème. Ils doivent donc compter sur nous, sur un animal ou sur une plante, pour se multiplier. Là, ils nous transforment en usine de réplication de virus. La morphologie d'un virus s'adapte parfaitement aux cellules de l'espèce hôte. Voici par exemple une maquette du virus de la grippe aviaire. Cette petite protéine ici est spécialement adaptée pour s'accrocher aux cellules des poulets. Quand il se reproduit, le virus peut muter, ce qui modifie légèrement sa forme pour lui permettre de s'installer sur une autre espèce hôte. Il suffit d'une seule mutation du gène qui changerait le sommet du virus pour que cette protéine puisse s'accrocher à une cellule humaine et, par exemple, m'infecter. Pour changer d'espèce, la bonne mutation est nécessaire et dans le cas des Aztèques, il faut que le virus puisse passer d'un rongeur à un humain. C'est un jeu de hasard. Mais le grand nombre de rongeurs malades fait pencher la balance en faveur d'une épidémie dévastatrice. Imaginez que le bonbon rouge représente le virus mortel transporté par les souris mexicaines. Plus je verse des bonbons jaunes dans ce saladier, plus j'ai de risques que l'un d'eux devienne un mutant. Je peux manger les jaunes, je peux faire ce que je veux avec eux parce qu'ils ne me contamineront pas. Mais si j'en prends un au hasard et que j'ai la malchance de tomber sur le rouge, alors il peut m'infecter. C'est ce qui s'est passé pour les deux épidémies du XVIe siècle et la flambée d'antivirus de 1993.
Mais au Mexique, le nombre de victimes et la vitesse de propagation du virus laissent penser qu'il y a eu une deuxième mutation. Cette mutation aurait permis au virus de se transmettre directement d'un humain à un autre. Une fois que cela s'est produit, tous les éléments étaient réunis pour une véritable apocalypse sanitaire. La transmission interhumaine du virus Coccolizli pourrait avoir fait jusqu'à 17 millions de morts dans le Mexique du XVIe siècle. Pourtant, il y a un mystère. Pourquoi ce virus américain a-t-il tué tant d'Aztèques et si peu d'Espagnols? Ce n'est certainement pas parce que les Européens avaient une médecine plus avancée. Les Aztèques possédaient un grand savoir médical. Ils connaissaient particulièrement bien le corps humain. Ils produisaient des instruments chirurgicaux avec des obsidiennes, une roche volcanique vitreuse très courante dans le centre du Mexique. Si je veux couper cette pomme, par exemple, vous voyez que la lame est tranchante. On y arrive très bien. Leur pharmacopée était si efficace que les Aztèques ont même soigné les envahisseurs espagnols. De nombreux Espagnols étaient très malades en arrivant. Et ils ont été guéris par les médecins aztèques qui utilisaient des remèdes traditionnels à base de plantes. Les Aztèques ont donc soigné les conquérants. Et pourtant, c'est sans doute un virus meurtrier local qui les a tués par millions. La réponse à cette question se trouve peut-être dans l'histoire ancienne de la race humaine. Tout commence avec un petit groupe vivant il y a 100 000 ans en Afrique. Tous les habitants actuels de la planète sont les descendants de cette population de quelques milliers d'individus. C'est la source de tous les ADN d'aujourd'hui. Reprenons nos bonbons de couleur. Maintenant, ils représentent la diversité génétique de cette population africaine ancestrale. Quand les petits groupes se sont dispersés pour aller vivre sur toute la surface du globe, chacun ne contenait qu'une fraction ou sous-ensemble du patrimoine génétique d'origine. Il y a environ 15 000 ans, ces groupes moins diversifiés sur le plan génétique ont colonisé l'Europe, l'Australie et l'Asie. Une fraction de ces individus a migré par le détroit de Bering pour pénétrer sur le continent américain, donnant naissance aux populations amérindiennes du nord, du centre et du sud. La conséquence de cette histoire évolutionnaire, c'est que les Amérindiens ne contiennent qu'un sous-ensemble de la diversité génétique qui existe en Asie et une portion encore plus petite de celle de l'Afrique. Imaginons que ces clés soient des gènes. Plus il y en a, plus on a de chances de réussir à ouvrir un cadenas donné. Chaque cadenas représente un virus potentiel différent. De leur côté, les clés symbolisent un élément du code génétique capable de combattre une infection. Je peux passer en revue tous les virus susceptibles d'attaquer le système immunitaire d'une population très diversifiée. Je trouve presque toujours la bonne clé pour que le système immunitaire fasse bien son travail. Plus la diversité génétique est grande, plus on a de chances d'être en mesure de repousser un envahisseur.
Les Aztèques avaient donc un patrimoine génétique peu diversifié, si bien qu'ils n'ont pas su se défendre contre le virus Coccolizzly. En revanche, les Espagnols avaient une plus grande variété génétique, ce qui leur a permis d'y échapper. C'est une explication possible pour le bilan humain moins lourd parmi les conquistadors. Pourtant, le médecin mexicain Rodolfo Acuña Soto a fait une découverte qui remet en question la thèse génétique comme seule solution de cette énigme. En étudiant les recensements, il a identifié un groupe d'Espagnols où il y a eu de nombreuses victimes. Les hommes d'église. C'est le seul sous-groupe de la population espagnole qui est tombé malade et qui a succombé à l'épidémie. Les prêtres espagnols sont arrivés au Mexique à la fin de la conquête pour convertir les autochtones. Ils se différenciaient de leurs compatriotes par un détail. La plupart des prêtres qui sont morts travaillaient très étroitement avec la population indienne. C'est un fait avéré. Cela suggère que quelque chose dans les conditions de vie partagées par les Aztèques et les prêtres a rendu le Coccolizzly particulièrement mortel. L'historienne Elisabeth Baquedano émet une hypothèse. Avant l'arrivée des conquistadors, les Aztèques cultivaient le maïs sur de petites parcelles familiales. Les Espagnols ont mis en place un système à grande échelle, quasi industrialisé, pour produire de la farine et du pain européen. Ça a été une époque très difficile pour les Aztèques. Leur vie a radicalement changé. Ils devaient travailler de l'aube à très tard le soir. Ils faisaient des journées de plus de 12 heures. Sous la domination espagnole, les Aztèques passaient plus de temps dans les champs, dans des exploitations plus grandes, infestés par les rongeurs. Ils étaient donc en contact avec un plus grand nombre d'animaux infectés et donc avec le Coccolizzly. Le soir, ils rapportaient le virus dans leur baraquement surpeuplé. Ils dormaient à plus d'une douzaine dans cette pièce, dans des conditions sordides et très pénibles. Dans ces habitations bondées, le virus avait une foule de victimes à sa disposition. C'est peut-être là que s'est produite la deuxième mutation cruciale. La maladie pouvait désormais se transmettre d'homme à homme. Ensuite, le Coccolizzly a pu se propager à 17 millions d'Aztèques. Pour Rodolfo Acuña Soto, cette tragédie a été déclenchée par une longue période de sécheresse. De nos jours, dans le sud-ouest des États-Unis, le déficit hydrique est préoccupant. Et depuis 500 ans, on n'avait pas connu une telle aridité. Alors, la peste aztèque pourrait-elle revenir? Les scientifiques commencent à comprendre comment les tendances météorologiques extrêmes du passé peuvent se répéter à l'avenir. Les tempêtes, les sécheresses ou les fortes précipitations, avec leurs conséquences sur les populations, ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont influencés par les cycles atmosphériques.
Les fluctuations climatiques à long terme sont provoquées par des changements de pression atmosphérique sur la surface du globe. Grâce à la pression qui est à l'intérieur, ce ballon reste gonflé. Elle est plus élevée que celle de l'air extérieur. Mais si je relâche l'ouverture, la pression s'échappe, ce qui fait du vent. C'est ce qui se passe dans le monde. Quand l'air se réchauffe, il se dilate et devient moins dense, ce qui crée des zones de basse pression. L'air se dirige vers les zones de basse pression. Tout comme ici, l'air va de l'intérieur à l'extérieur du ballon. Le vent provoque des courants au-dessus des océans qui font circuler la chaleur sur la surface du globe. La direction de ces vents peut varier selon des cycles ou oscillations de plusieurs années. C'est un phénomène que les pêcheurs sud-américains connaissent depuis des siècles. Tous les 3 à 7 ans, les poissons se raréfient brutalement au large des côtes péruviennes. Les autochtones l'appellent El Niño, le petit garçon, parce qu'il se produit toujours vers Noël. Cette disparition des poissons est due à un changement cyclique de la pression atmosphérique au-dessus du Pacifique. En temps normal, le vent souffle d'est en ouest, refroidissant l'eau au large des côtes pacifiques du continent américain. Quand El Niño survient, cette circulation s'arrête, voire change de sens, ce qui augmente de plusieurs degrés la température dans le Pacifique Ouest et fait fuir les poissons loin du littoral sud-américain. La variation cyclique des températures de surface dans le Pacifique a des effets très marqués sur le climat de la planète. On constate des sécheresses, des tempêtes dévastatrices et une élévation du niveau de la mer pouvant aller jusqu'à 30 cm. Selon certains experts, les fortes pluies qui ont précédé l'épidémie aztèque du XVIe siècle ont été en partie déclenchées par El Niño. Mais El Niño n'est que l'une des 3 grandes fluctuations météorologiques ayant une influence sur le climat américain. Les 2 autres ont un cycle encore plus long. Elles sont mesurées par l'évolution des températures marines sur les 2 océans qui bordent le continent. À l'ouest, la température marine de surface fluctue selon un cycle de 20 à 30 ans appelé oscillation pacifique décennale ou PDO. À l'est, l'oscillation atlantique pluridécennale ou AMO met de 65 à 70 ans pour faire varier la température de 0,5 degrés. Ces variations thermiques sur les 2 fronts de mer américains ont un impact profond sur le climat du continent. Ces 2 images nous montrent que si on a un Atlantique Nord chaud et un Pacifique tropical froid, cela se traduit par la sécheresse que nous avons actuellement dans l'ouest des États-Unis. Quand la situation est inverse, à savoir quand la température de surface est froide dans l'Atlantique Nord et chaude dans l'est du Pacifique tropical, il y a de l'humidité en Amérique du Nord. Comme les cordes de ces écoliers, chacun de ces 3 cycles, El Niño, le PDO et l'AMO, fluctue à un rythme différent. Et chacune de ces oscillations se déroule sur des années, voire des décennies.
si bien qu'une conjonction particulièrement dangereuse des trois ne se produit qu'une ou deux fois par millénaire. Quand ils joignent leurs forces, ces trois phénomènes météorologiques peuvent provoquer des sécheresses très graves en Amérique. C'est justement ce qui s'est passé au XVIe siècle et qui a entraîné le déclin des Aztèques. Le sud des États-Unis subit actuellement ce qui pourrait être la pire sécheresse depuis 500 ans. Pour tout dire, depuis l'époque aztèque. Nous ne comprenons pas encore assez les oscillations climatiques pour prédire exactement leurs évolutions futures. En revanche, les scientifiques peuvent dire que nous sommes actuellement au début de trois décennies de sécheresse. Cela pourrait être la première étape d'une répétition du schéma météorologique responsable de l'explosion du nombre de rongeurs il y a 500 ans au Mexique et d'une épidémie qui a fait 17 millions de morts. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique pourrait créer le deuxième ingrédient meurtrier nécessaire pour provoquer une catastrophe. De fortes précipitations. L'augmentation des gaz à effet de serre piège un plus grand volume de chaleur solaire dans l'atmosphère. Les 14 années les plus chaudes jamais enregistrées sont postérieures à 1990. Pour Richard Halley de l'Université de Pennsylvanie, cela ne peut avoir qu'une seule conséquence. Dans un monde plus chaud, l'air est plus humide. Les océans couvrent une surface immense, et si l'air au-dessus d'eux est plus chaud, ils captent plus d'humidité. Et plus d'eau, ça fait plus de pluie, et donc plus d'inondations. Et paradoxalement, les pluies ne nous protégeront pas de la sécheresse. Dans un monde plus chaud, on a plus de pluie, mais aussi plus d'évaporation. Les pluies sont abondantes, mais tout sèche très vite. Donc dans un monde plus chaud, on peut avoir à la fois plus d'inondations et plus de sécheresse. Nous pourrions donc être nous aussi confrontés à cette alliance fatale de sécheresse et de précipitations extrêmes qui a tué des millions d'Aztèques autrefois. Ce schéma météorologique crée les conditions nécessaires à une propagation très rapide d'un virus dont les rongeurs sont le vecteur. Ces organismes savent muter et s'adapter. Si l'épidémie aztèque a fait tant de morts si rapidement, c'est sans doute parce que le virus a évolué pour avoir une transmission interhumaine. Facteur aggravant, le monde du 21e siècle est potentiellement bien plus vulnérable face à une pandémie mondiale. Ces virus ont bien plus d'occasions de se propager qu'autrefois. Nous sommes de plus en plus à voyager en avion. Il faut considérer le nombre de gens qui se déplacent en permanence et peuvent donc attraper un virus au point A pour l'emmener jusqu'au point B. Et en quelques heures, il y a une flambée épidémique. Alors que notre planète se réchauffe, la carte des maladies infectieuses du monde se redessine. Le réchauffement donne aux insectes capables de contaminer les humains la capacité de se déplacer plus au nord, dans des régions où ils ne pouvaient pas survivre jusque-là parce qu'il y faisait trop froid. Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards d'humains sur la planète et la croissance démographique est sans précédent. Bientôt, pour la première fois de notre histoire, il y aura plus de gens dans les villes que dans les campagnes.
Aujourd'hui, la vraie menace, ce n'est pas Al-Qaïda ou le bioterrorisme. Ce sont les maladies infectieuses mondiales. C'est ça, le danger. Aujourd'hui, une pandémie meurtrière pourrait se propager plus vite et plus loin que jamais auparavant. Les scientifiques luttent sans relâche pour trouver des armes contre de nouvelles flambées. S'ils échouent, le destin des Aztèques il y a 500 ans nous laisse entrevoir le terrible prix que nous aurons à payer. L'historienne Elisabeth Baquedano émet une hypothèse. Avant l'arrivée des conquistadors, les Aztèques cultivaient le maïs sur de petites parcelles familiales. Les Espagnols ont mis en place un système à grande échelle, quasi industrialisé, pour produire de la farine et du pain européen. Ça a été une époque très difficile pour les Aztèques. Leur vie a radicalement changé. Ils devaient travailler de l'aube à très tard le soir. Ils faisaient des journées de plus de 12 heures. Sous la domination espagnole, les Aztèques passaient plus de temps dans les champs, dans des exploitations plus grandes, infestés par les rongeurs. Ils étaient donc en contact avec un plus grand nombre d'animaux infectés et donc avec le coccolizli. Le soir, ils rapportaient le virus dans leur baraquement surpeuplé. Ils dormaient à plus d'une douzaine dans cette pièce. Dans des conditions sordides et très pénibles. Dans ces habitations bondées, le virus avait une foule de victimes à sa disposition. C'est peut-être là que s'est produite la deuxième mutation cruciale. La maladie pouvait désormais se transmettre d'homme à homme. Ensuite, le coccolizli a pu se propager à 17 millions d'Aztèques. Pour Rodolfo Acuna Soto, cette tragédie a été déclenchée par une longue période de sécheresse. De nos jours, dans le sud-ouest des États-Unis, le déficit hydrique est préoccupant. Et depuis 500 ans, on n'avait pas connu une telle aridité. Alors, la peste aztèque pourrait-elle revenir? Les scientifiques commencent à comprendre comment les tendances météorologiques extrêmes du passé peuvent se répéter à l'avenir. Les tempêtes, les sécheresses ou les forts historiques précis. Les maladies du vieux continent importées par les envahisseurs espagnols. Aujourd'hui, des recherches scientifiques suggèrent un scénario totalement différent pour cette tragédie humaine.
Si cette nouvelle théorie se confirme, le sort qui s'est abattu sur les Aztèques pourrait frapper de nouveau au XXIe siècle. De nos jours, Mexico est l'une des plus grandes métropoles de la planète. Elle compte plus de 20 millions d'habitants. Il y a 500 ans, il y avait déjà sur place l'une des plus grandes cités du monde. Tenochtitlan, avec une population de plus de 200 000 personnes, était la capitale d'une société très développée sur le plan technologique. En 1519, les Aztèques maîtrisaient déjà les principes de l'astronomie et des mathématiques, ce qui leur avait permis de mettre au point un calendrier très précis. Ils pratiquaient une médecine très sophistiquée. Et ils avaient bâti un réseau complexe d'aqueducs pour approvisionner leur capitale tentaculaire en eau douce. Nous savons que les Romains ont construit des cités immenses, mais les Aztèques étaient tout aussi avancés. C'étaient des ingénieurs fantastiques. Ils ont fondé une cité sur un lac marécageux. À l'époque, entre 15 et 30 millions de personnes vivaient sous le joug de l'empereur aztèque dans un royaume qui s'étendait de l'Atlantique au Pacifique. C'était l'un des plus grands empires du Nouveau Monde. En 1519, la ville de Tenochtitlan prospérait depuis près de deux siècles. Mais sa fin était proche. Cortés, le conquistador espagnol, venait d'accoster avec une armée de moins de 1000 hommes. Nous pouvons partir de la situation de 1519, quand les Aztèques étaient très nombreux, et voir comment la population décline dans les années qui suivent. En 1545 et les années suivantes, près de 15 millions de gens sont morts. Et 30 ans plus tard, il y a eu une deuxième vague de 2 millions de victimes. Pour Rodolfo Acuña Soto, ces dates marquent le début des deux grandes épidémies de Cocolizli. Il veut maintenant comprendre la raison de ces flambées. En quoi les décennies 1540 et 1570 se sont-elles distinguées des autres? Le chercheur étudie l'un des codex laissés par les Aztèques, un exceptionnel récit en images de la vie quotidienne des temps anciens. « 1543 en particulier est très intéressant, avec l'image du soleil brillant au-dessus d'un champ de maïs. Cela signifie que cette année a été très sèche. » Rodolfo Acuña Soto isole une série d'images qui pointent du doigt des périodes de mauvaise récolte. Celle-ci montre le sol jonché de cadavres et la poussière qui vole tout autour, signe d'une grave sécheresse. Sur une autre image, un Aztèque pleure parce qu'il est vendu comme esclave en échange de maïs. Ici, un sacrifice est destiné à stopper la famine. On a des années spécifiques clairement identifiées avec des sécheresses touchant les montagnes mexicaines. Et c'est très étroitement lié avec les flambées épidémiques.
La sécheresse peut-elle expliquer la virulence du coccolitzli? David Stahl est un météorologue un peu spécial. Il est dendrochronologiste. Il déchiffre les informations climatiques sur les siècles passés contenues dans les anneaux de croissance des arbres. Ici, l'année 1620 est une date importante dans l'histoire américaine. C'est la fondation de la colonie de Plymouth dans le Massachusetts. Autre date marquante, 1607, avec la création de la colonie de Jamestown en Virginie, la première implantation. Nous avons un équivalent moderne, un mal terrifiant qui a ravagé certaines régions d'Afrique. La fièvre Ebola. Cette découverte est inquiétante. On a longtemps pensé que la chute de l'Empire aztèque était due à un funeste concours de circonstances. Le premier contact entre des peuples ayant des maladies et des immunités différentes. De nouveaux indices nous mettent sur une autre piste. Celle d'une épidémie provoquée par un virus endémique particulièrement meurtrier. Les virus peuvent rester en sommeil plusieurs siècles et ressurgir quand les conditions idéales sont réunies. Ce tueur du XVIe siècle pourrait être tapi dans l'ombre quelque part dans le Nouveau Monde et se réveiller. Le médecin Rodolfo Acuna Soto est sur les traces du virus de coccolitzli. Il passe au peigne fin les documents de l'époque à la recherche d'indices sur cette maladie qui a tué 8 Aztèques sur 10. Les conquistadors espagnols ont laissé des archives détaillées. Il faisait des recensements réguliers dans les villes et les villages. Kim Foster, spécialiste de la visualisation 3D, rentre des données dans un logiciel d'information géographique qui montre comment la démographie évolue selon les endroits au fil du temps. Peu à peu, on voit apparaître l'ampleur de la tragédie aztèque. Les résultats sont stupéfiants. Si on observe cette région, on voit comment la population a chuté d'un million à seulement 11 000 personnes. Le logiciel montre plus que le nombre de morts. Il révèle où et quand cet effondrement démographique a eu lieu. Les victimes sont réparties plus ou moins uniformément sur tout le territoire de l'Empire. Pourtant, c'est dans la chronologie du drame qu'on remarque des pics très marqués. Nous pouvons partir de la situation de 1519, quand les Aztèques étaient très nombreux, et voir comment la population décline dans les années qui suivent. En 1545 et les années suivantes, près de 15 millions de gens sont morts. Tout sèche très vite. Donc, dans un monde plus chaud, on peut avoir à la fois plus d'inondations et plus de sécheresses. Nous pourrions donc être nous aussi confrontés à cette alliance fatale de sécheresse et de précipitations extrêmes qui a tué des millions d'Aztèques autrefois. Ce schéma météorologique crée les conditions nécessaires à une propagation très rapide d'un virus dont les rongeurs sont le vecteur. Ces organismes savent muter et s'adapter. Si l'épidémie aztèque a fait tant de morts si rapidement, c'est sans doute parce que le virus a évolué pour avoir une transmission interhumaine. Facteur aggravant, le monde du 21e siècle est potentiellement bien plus vulnérable face à une pandémie mondiale. Ces virus ont bien plus d'occasions de se propager qu'autrefois. Nous sommes de plus en plus à voyager en avion.
Il faut considérer le nombre de gens qui se déplacent en permanence et peuvent donc attraper un virus au point A pour l'emmener jusqu'au point B. Et en quelques heures, il y a une flambée épidémique. Alors que notre planète se réchauffe, la carte des maladies infectieuses du monde se redessine. Le réchauffement donne aux insectes capables de contaminer les humains la capacité de se déplacer plus au nord, dans des régions où ils ne pouvaient pas survivre jusque-là parce qu'il y faisait trop froid. Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards d'humains sur la planète et la croissance démographique est sans précédent. Bientôt, pour la première fois de notre histoire, il y aura plus de gens dans les villes que dans les campagnes. Aujourd'hui, la vraie menace, ce n'est pas Al-Qaïda ou le bioterrorisme. Ce sont les maladies infectieuses mondiales. C'est ça, le danger. Aujourd'hui, une pandémie meurtrière pourrait se propager plus vite et plus loin que jamais auparavant. Les scientifiques luttent sans relâche pour trouver des armes contre de nouvelles flambées. S'ils échouent, le destin des Aztèques il y a 500 ans nous laisse entrevoir le terrible prix que nous aurons à payer. Ils en crachent aussi. Les hémorragies sont donc internes et externes. La population locale avait un nom pour désigner cette maladie. Coccolizzi, la grande peste. Le Coccolizzi n'existait pas dans l'Espagne du XVIe siècle. Sinon, les conquistadors auraient reconnu ses symptômes. John Marr pense que c'était une fièvre hémorragique originaire des Amériques. Un virus mortel, caractérisé par des saignements incontrôlables. Nous avons un équivalent moderne, un mal terrifiant qui a ravagé certaines régions d'Afrique. La fièvre Ebola. Cette découverte est inquiétante. On a longtemps pensé que la chute de l'Empire aztèque était due à un funeste concours de circonstances. Le premier contact entre des peuples ayant des maladies et des immunités différentes. De nouveaux indices nous mettent sur une autre piste. Celle d'une épidémie provoquée par un virus endémique particulièrement meurtrier. Les virus peuvent rester en sommeil plusieurs siècles et ressurgir quand les conditions idéales sont réunies. Ce tueur du XVIe siècle pourrait être tapi dans l'ombre quelque part dans le Nouveau Monde et se réveiller. Le médecin Rodolfo Acuna Soto est sur les traces du virus de Coccolizzi. Il passe au peigne fin les documents de l'époque à la recherche d'indices sur cette maladie qui a tué 8 Aztèques sur 10. Les conquistadors espagnols ont laissé des archives détaillées. Ils faisaient des recensements réguliers dans les villes et les villages. Kim Foster, spécialiste de la visualisation 3D, rentre des données dans un logiciel d'information géographique qui montre comment la démographie évolue selon les endroits au fil du temps. Peu à peu, on voit apparaître l'ampleur de la tragédie aztèque. Les résultats sont stupéfiants. Si on observe cette région, on voit comment la population a chuté d'un million à seulement 11 000 personnes. En près de 800 ans, selon la légende, ils auraient été plantés par les Aztèques à Chapultepec. Planted these trees in Chapultepec.
Le scientifique étudie les anneaux de croissance de cette antique forêt. Il obtiendra ainsi une image nette des conditions météo à l'époque des épidémies. Pour lui, ce qui s'est passé juste avant 1545 est clair et inédit. Ici, nous voyons le début d'une sécheresse grave et prolongée. Nous savons qu'elle a été la plus marquée des cinq derniers siècles. Les anneaux de croissance vont dans le sens de l'analyse du codex par Rodolfo Acuna Soto. Les épidémies ont été précédées par plusieurs années particulièrement sèches. Mais quand David Stahl pousse son investigation plus loin, les choses se précisent et se compliquent. 1545, la première année de l'épidémie, a un anneau très large. Cela signifie que la sécheresse a été suivie par une année de précipitations exceptionnelles. Cet événement climatique inhabituel se produit de nouveau juste avant la deuxième épidémie. Au milieu de cette période de sécheresse, il y a un anneau de croissance plus large que la moyenne pour l'année 1576. Ainsi, à chaque épidémie de Coccolizzi, le même scénario climatique s'est répété. Les chasseurs de virus doivent maintenant comprendre en quoi la météo et l'épidémie sont liées. Une récente tragédie de l'autre côté de la frontière pourrait leur apporter des réponses. Mai 1993. La région des Four Corners, carrefour de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado et de l'Utah, a connu une météo comparable à celle qui semble associée aux épidémies aztèques. Une grave sécheresse, suivie de fortes pluies, vient à l'esprit. On pense que cette hécatombe est due à la faim, mais il n'y a aucune preuve dans ce sens. Au contraire, il semblait bien nourri. Les premières constatations sont déroutantes. De nombreuses victimes sont jeunes. Elles semblent en forme, en bonne santé et bien nourries. Et pourtant, quelques 2000 Aztèques ont été inhumés à la hâte dans une fosse commune. Visiblement, les gens pensaient qu'il était capital de les enterrer très rapidement. Pour la chercheuse, une conclusion s'impose. On peut supposer qu'ils sont morts de maladie. Le diagnostic posé par Noreen Turos semble conforter ce que nous disent les livres d'histoire. La thèse officielle est que les conquistadors sont arrivés avec une arme bien plus redoutable que leurs mousquets et leur habileté politique. Les maladies du vieux continent. La rougeole, le typhus, la variole étaient courantes en Europe, mais inconnues en Amérique. Le système immunitaire des Aztèques ne pouvait pas combattre ces maladies étrangères. En conséquence de quoi, ils seraient morts par millions. John Marr, spécialiste des maladies, étudie les archives historiques retraçant les épidémies dans le Mexique du XVIe siècle. De nombreux Aztèques ont succombé à des maladies importées, mais ils pensent que beaucoup plus ont été victimes d'un tueur très différent. Son intuition est confirmée par un rapport rédigé par Francisco Hernandez,
médecin personnel du roi Philippe II d'Espagne et basé sur les autopsies des victimes d'une épidémie de 1576. La lecture du rapport d'Hernandez m'a vraiment rempli de joie. Ce document, resté inexploité durant 4 siècles, décrit les constatations des médecins ayant autopsié les victimes aztèques. Chez certains, la gangrène avait envahi les lèvres. D'autres avaient certaines parties du corps putréfiées et du sang qui coulait des oreilles. Hernandez décrit les symptômes, mais ne cite aucune maladie précise. Hernandez était espagnol et il avait sans doute vu des centaines. C'est sans doute parce que le virus a évolué pour avoir une transmission interhumaine. Facteur aggravant, le monde du 21e siècle est potentiellement bien plus vulnérable face à une pandémie mondiale. Ces virus ont bien plus d'occasions de se propager qu'autrefois. Nous sommes de plus en plus à voyager en avion. Il faut considérer le nombre de gens qui se déplacent en permanence et peuvent donc attraper un virus au point A pour l'emmener jusqu'au point B. Et en quelques heures, il y a une flambée épidémique. Alors que notre planète se réchauffe, la carte des maladies infectieuses du monde se redessine. Le réchauffement donne aux insectes capables de contaminer les humains la capacité de se déplacer plus au nord, dans des régions où ils ne pouvaient pas survivre jusque-là parce qu'il y faisait trop froid. Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards d'humains sur la planète et la croissance démographique est sans précédent. Bientôt, pour la première fois de notre histoire, il y aura plus de gens dans les villes que dans les campagnes. Aujourd'hui, la vraie menace, ce n'est pas Al-Qaïda ou le bioterrorisme. Ce sont les maladies infectieuses mondiales. C'est ça le danger. Aujourd'hui, une pandémie meurtrière pourrait se propager plus vite et plus loin que jamais auparavant. Les scientifiques luttent sans relâche pour trouver des armes contre de nouvelles flambées. S'ils échouent, le destin des Aztèques il y a 500 ans nous laisse entrevoir le terrible prix que nous aurons à payer. Les fluctuations climatiques à long terme sont provoquées par des changements de pression atmosphérique sur la surface du globe. Grâce à la pression qui est à l'intérieur, ce ballon reste gonflé. Elle est plus élevée que celle de l'air extérieur. Mais si je relâche l'ouverture, la pression s'échappe, ce qui fait du vent. C'est ce qui se passe dans le monde. Quand l'air se réchauffe, il se dilate et devient moins dense, ce qui crée des zones de basse pression. L'air se dirige vers les zones de basse pression. Tout comme ici, l'air va de l'intérieur à l'extérieur du ballon. Le vent provoque des courants au-dessus des océans qui font circuler la chaleur sur la surface du globe. La direction de ces vents peut varier selon des cycles ou oscillations de plusieurs années.
C'est un phénomène que les pêcheurs sud-américains connaissent depuis des siècles. Tous les 3 à 7 ans, les poissons se raréfient brutalement au large des côtes péruviennes. Les autochtones l'appellent El Niño, le petit garçon, parce qu'il se produit toujours vers Noël. Cette disparition des poissons est due à un changement cyclique de la pression atmosphérique au-dessus du Pacifique. En temps normal, le vent souffle d'est en ouest, refroidissant l'eau au large des côtes pacifiques du continent américain. Quand El Niño survient, cette circulation s'arrête, voire change de sens, ce qui augmente de plusieurs degrés la température dans le Pacifique Ouest et fait fuir les poissons loin du littoral sud-américain. La variation cyclique des températures de surface dans le Pacifique a des effets très marqués sur le climat de la planète. On constate des sécheresses, des tempêtes dévastatrices et une élévation du niveau de la mer pouvant aller jusqu'à 30 cm. Selon certains experts, les fortes pluies qui ont précédé l'épidémie aztèque du XVIe siècle ont été en partie déclenchées par El Niño. C'est un phénomène que les pêcheurs sud-américains connaissent depuis des siècles. Tous les 3 à 7 ans, les poissons se raréfient brutalement au large des côtes péruviennes. Les autochtones l'appellent El Niño, le petit garçon, parce qu'il se produit toujours vers Noël. Cette disparition des poissons est due à un changement cyclique de la pression atmosphérique au-dessus du Pacifique. En temps normal, le vent souffle d'est en ouest, refroidissant l'eau au large des côtes pacifiques du continent américain. Quand El Niño survient, cette circulation s'arrête, voire change de sens, ce qui augmente de plusieurs degrés la température dans le Pacifique Ouest et fait fuir les poissons loin du littoral sud-américain. La variation cyclique des températures de surface dans le Pacifique a des effets très marqués sur le climat de la planète. On constate des sécheresses, des tempêtes dévastatrices et une élévation du niveau de la mer pouvant aller jusqu'à 30 cm. Selon certains experts, les fortes pluies qui ont précédé l'épidémie aztèque du XVIe siècle ont été en partie déclenchées par El Niño. Mais El Niño n'est que l'une des 3 grandes fluctuations météorologiques ayant une influence sur le climat américain. Les 2 autres ont un cycle encore plus long. Elles sont mesurées par l'évolution des températures marines sur les 2 océans qui bordent le continent. À l'ouest, la température marine de surface fluctue selon un cycle de 20 à 30 ans appelé oscillation pacifique décennale ou PDO. À l'est, l'oscillation atlantique pluridécennale ou AMO met de 65 à 70 ans pour faire varier la température de 0,5 degrés. Ces variations thermiques sur les 2 fronts de mer américains ont un impact profond sur le climat du continent. Et une portion encore plus petite de celle de l'Afrique. Imaginons que ces clés soient des gènes.
Plus il y en a, plus on a de chances de réussir à ouvrir un cadenas donné. Chaque cadenas représente un virus potentiel différent. De leur côté, les clés symbolisent un élément du code génétique capable de combattre une infection. Je peux passer en revue tous les virus susceptibles d'attaquer le système immunitaire d'une population très diversifiée. Je trouve presque toujours la bonne clé pour que le système immunitaire fasse bien son travail. Plus la diversité génétique est grande, plus on a de chances d'être en mesure de repousser un envahisseur. Les Aztèques avaient donc un patrimoine génétique peu diversifié, si bien qu'ils n'ont pas su se défendre contre le virus Coccolizzly. En revanche, les Espagnols avaient une plus grande variété génétique, ce qui leur a permis d'y échapper. C'est une explication possible pour le bilan humain moins lourd parmi les conquistadors. Pourtant, le médecin mexicain Rodolfo Acuña Soto a fait une découverte qui remet en question la thèse génétique comme seule solution de cette énigme. En étudiant les recensements, il a identifié un groupe d'Espagnols où il y a eu de nombreuses victimes. Les hommes d'église. C'est le seul sous-groupe de la population espagnole qui est tombé malade et qui a succombé à l'épidémie. Les prêtres espagnols sont arrivés au Mexique à la fin de la conquête pour convertir les autochtones. Ils se différenciaient de leurs compatriotes par un détail. La plupart des prêtres qui sont morts travaillaient très étroitement avec la population indienne. C'est un fait avéré. Cela suggère que quelque chose dans les conditions de vie partagées par les Aztèques et les prêtres a rendu le Coccolizzly particulièrement mortel. L'historienne Elisabeth Baquedano émet une hypothèse. Avant l'arrivée des conquistadors, les